Hello, bienvenue sur ma chaîne Karine Rose ici. Vous avez bien fait de vous arrêter ici parce que vous allez avoir du plaisir. Donc aujourd'hui, je commence une série de vidéos. Je vais tester des régimes. Je vais tester, par exemple, aujourd'hui, je commence avec le régime des œufs et de la banane. Oui, j'ai lu que c'est pas facile du tout, mais je me suis dit, je vais relever le défi, je vais essayer. Et dans les semaines à venir, je vais essayer plusieurs régimes, comme le régime militaire, le régime tonon. Si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Donc là, je m'apprête à sortir de chez moi. J'ai commencé aujourd'hui avec le régime des œufs et de la banane. Là, c'est un verre d'eau chaude. En fait, c'est un peu tiède maintenant. J'ai mis un peu de vinaigre de cidre de pomme dessus. Si tu n'as pas encore vu ma vidéo sur le vinaigre de cidre de pomme, je vais mettre la vidéo quelque part là. Donc là, je commence ma journée à jeun avec cette eau-ci. Et ensuite, je vais prendre deux œufs que j'ai déjà bouillis, juste là à côté de moi. Donc, je vais manger ça avant de sortir de chez moi. En après-midi, donc pour ma pause déjeuner, je vais manger une salade avec des œufs aussi. Ensuite, le soir, ce sera juste de la banane. Oui, je vais manger une banane et deux œufs. Donc, à la fin de la soirée, je vais revenir ici et je vais vous dire comment est-ce que ma journée a été. Est-ce que j'ai été trop fatiguée? Est-ce que ça a été facile? En fait, je vais vous donner mes impressions. Je vais vous dire au bout, je vais faire ça aujourd'hui et demain. Je vais vous dire si j'ai perdu du poids parce que j'ai entendu et j'ai lu que c'est un régime très restrictif. On ne peut pas le faire pour plus que 3 jours, mais moi, je m'arrête à 2 quand même. Tu vois, parce que la semaine prochaine, je recommence un autre régime. Je ne veux pas que mon corps soit trop affecté. Si au cours de ces régimes-là, vous voulez me suivre, l'une d'entre vous aimerait relever le défi aussi, n'hésitez pas. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous n'aimez pas. Parce que j'ai fait une vidéo récemment, bon, il y a 5 mois, pas récemment, j'ai fait une vidéo où je parlais de la soupe aux choux que j'ai pris avec un smoothie sans faire du sport et comment j'avais perdu 5 kilos. Beaucoup d'entre vous avaient aimé cette vidéo. Je vais mettre ici si toi, tu ne l'as pas encore vue. Comme j'ai constaté que vous aimez ce genre de vidéo, je vais en faire une fois par semaine. Okay. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. On se voit très bientôt. Bye! Allô! On s'est parlé ce matin. Je vous ai dit que le soir, je viendrai vous dire comment ma journée a été. Et comme vous pouvez le constater, je vais très bien. Très, très bien. J'ai toujours de l'énergie, bizarrement. Je dois avouer que moi-même, j'appréhendais, mais la journée s'est super bien passée. Je ne me suis pas sentie vraiment privée. À midi, j'ai mangé une salade d'épinards avec 2 œufs. Et vers 16h, j'ai pris une banane. Et puis maintenant, quand je suis arrivée chez moi aux environs de 18h moins, j'ai pris une autre banane. Et là, je vais manger mes œufs du soir. Et pour vous dire quelque chose, comment je rends ma vie tellement facile, même quand je suis un peu en train de me priver de ce que j'aime, j'essaye de trouver des façons d'améliorer la situation. Et moi, la façon que j'ai trouvée pour améliorer ce manque de nourriture ou bien des choses que j'aime manger, c'était de manger mes œufs à l'africaine. Donc, je prends mes œufs, comme ça, j'ai coupé en deux, et je mets du piment. Hein? Du piment, des épices, là. Des choses piquantes. C'est trop bon. Trop bon. J'oublie que je suis en train de me priver, là. Et aussi, j'ai mon thé vert. Là, je prends du thé vert et j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme. Donc, je vais siroter ça toute la soirée. Pour demain, j'ai déjà apprêté mon lunch. J'ai fait des épinards. J'ai sauté des épinards sans huile. Vraiment très, très santé. J'ai mis des épinards comme ça. Je vais manger ça demain à midi avec 2 œufs
Et j'amène ma banane au cas où si j'ai faim durant la journée. Et c'est tout. Ça se passe très très bien. J'ai eu envie de me peser, mais je me suis dit, on va y résister. Et on va faire la pesée finale demain. Donc je vais vous donner le verdict demain soir. Alors, est-ce que vous pouvez voir comment je suis dans la joie? Je suis toute excitée parce que je me suis pesée il y a quelques minutes et j'ai perdu 3 kilos et 400 grammes. Je suis super excitée. Ça veut dire que mon régime aux œufs et bananes, ça a fonctionné pour moi. Donc, si tu hésitais à le faire, vas-y, fais-le. Ça vaut la peine. Chaque dimanche, je vais poster une vidéo comme ça où j'essaye un nouveau régime. Je vous donne mes impressions, je vous dis ce que j'en pense, combien de kilos j'ai perdu. Et maintenant, notre horaire pour avoir les publications de vidéos seront le mercredi et le dimanche. Et il y aura des vendredis où je vais poster des vidéos bonus comme le vendredi à venir. Donc, si vous avez aimé ce petit challenge que je me suis donné, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Invitez vos amis, abonnez-vous. On va faire des challenges ensemble comme ça vous intéresse. Donc, on se voit très bientôt. À mercredi. Bye!